Chers étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la première session de notre chapitre, l'expression algébrique pour la classe de B7. Dans ce chapitre, on va traiter les objectifs suivants. Et dans la partie 1 de notre chapitre, on va traiter deux objectifs. Objectif numéro 1, reconnaître la signification d'un terme algébrique ou monome. Objectif numéro 2, reconnaître le coefficient la variable et le degré d'un monome. On commence par l'objectif numéro 1. Un monome est un nombre, une variable ou un produit d'un nombre et de variables. Exemple. Si on veut trouver l'aire d'un rectangle ayant les dimensions longueur est égale à 6 mètres et largeur est égale à y mètres. C'est un rectangle. Longueur est égale à 6 mètres, largeur est égale à y mètres. L'aire de ce rectangle, longueur fois largeur. Donc, c'est 6 fois y est égal à 6y. 6y est un monome. 6y s'appelle un monome. Coefficient et variable. 6y, c'est le monome. Le 6 ici, c'est le coefficient de monome. C'est la partie numérique ou bien la partie constante. Mais y, c'est la variable du monome, c'est la partie littéraire ou bien la partie qui n'est pas constante. 2x, 3y, moins 5bc, ax au carré sont des monomes ou termes algébriques. Note, 7 et moins 5 et tout le nombre sont des monomes constants, c'est-à-dire ce sont des monomes qui n'ont pas une partie littéraire. Ils ont seulement une partie numérique. Regardez 7, moins 5, ce sont les parties numériques. 2 sur x n'est pas un monome, car il a une variable dans le dénominateur. Degré d'un monome. Partie A. Le degré d'un monome à une seule variable est l'exposant de cette variable qui est un entier naturel. D'abord, un monome à une seule variable, c'est-à-dire un monome qui a seulement une seule variable. L'exposant de cette variable est le degré de ce monome. Regardez ici, 4x2 est un monome à une seule variable qui est x. L'exposant de cette variable est le degré de ce monome. Donc 4x2 est un monome de degré 2. 9z est un monome qui a une seule variable z. L'exposant de z, c'est 1. Alors, le degré de ce monome est 1. 16 n'a pas ici une variable. Regardez, mais on peut écrire que 16 est égal à 16 x exposant 0. Nous savons que x exposant 0 a une valeur 1. Donc 16 x exposant 0, c'est 16 fois 1, donne 16. Donc le 16 est un monome de degré 0. Donc 4x2 est un monome de degré 2. 9z est un monome de degré 1. 16 est un monome de degré 0. Partie B, le degré d'un monome à plusieurs variables est la somme des exposants de ces variables. Maintenant, un monome à plusieurs variables, c'est un monome qui a deux ou plusieurs variables. Le degré d'un monome à plusieurs variables, c'est la somme des exposants de ces variables. Maintenant, on va voir, moins 5, x2, y3, z6 est un monome qui a trois variables, qui sont x, y et z. L'exposant de x est 2. L'exposant de y est 3. L'exposant de z est 6. Le degré d'un monome à plusieurs variables, c'est la somme des exposants de ces variables. C'est-à-dire, c'est la somme de 2, 3 et 6, qui est 11. 2 plus 3 plus 6 est égal à 11. Donc, 11 est le degré du monome moins 5, x2, y3, z6. Voilà
2 plus 3 plus 6 est égal à 11. Donc 11 est le degré du monome moins 5 x2 y3 z6. Une petite application. Pour chacun des monomes ci-dessous, identifiez le coefficient et le nombre de variables. Identifiez le coefficient et le nombre de variables. 7ab2 moins 14x2 y z3 est 35. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de répondre. Pour le premier monome, le coefficient c'est 7. Et on a ici deux variables qui sont a et b. Donc, on a ici deux variables qui sont a et b. Pour le deuxième monome, le coefficient c'est moins 14. Et on a ici trois variables qui sont x, y, et z. Pour le dernier monome, le coefficient c'est 35 sur la partie constante. Et regardez ici, on n'a pas de variable, donc le nombre de variables est 0. Indiquez maintenant le degré de chacun des monomes suivants. Maintenant, on va indiquer le degré. 6y2 moins 13x3y4, 16xyz, 14. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de répondre. Pour le premier monome, regardez le degré est 2. Pourquoi? C'est un monome à une seule variable qui est y. Donc, le degré de ce monome est l'exposant de la variable. Pour le deuxième monome, c'est un monome qui a deux variables x et y. Donc, le degré de ce monome, c'est la somme des exposants de ces variables. Donc, c'est 3 plus 4 est égal à 7. Même chose pour le troisième monome, il a trois variables, donc le degré de ce monome, c'est la somme des exposants de ces variables, c'est 1 plus 1 plus 1, donc 3. Pour le dernier monome, regardez ici, il n'a pas une partie littéraire, il n'a pas une variable, donc le degré c'est 0. Merci pour votre attention, à bientôt et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.